pierre. Merde, il peut pas venir. Oh là là. Reviens pas. Tu remets les pieds ici et tu repars avec tes oreilles en bandoulière. Nous sommes les créatures fantomatiques du crépuscule, mon vieux. La petite souris, ce n'est pas ici. Nous, on te pique toutes tes... Et c'est ta tête qu'on fourre sous l'oreiller. Et au fait, le petit animal de notre reine aurait dû rentrer depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il est parti. Ah, mais il retrouve toujours le chemin de la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout? Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y avait par là, j'en souviens plus. Ah oui. Oui, non, mais c'est bon. On a ce qu'il faut ici. On va retourner à Hollywood. Tu veux rire? Tout risque de s'écrouler. Tu veux rire? Tout s'écrouler. Ah oui, il lui fallait quoi, un bijou? Ce costume de cheval là, il n'est pas dans tes moyens, mon chou. Mais je veux dire, je te l'échange contre quelques nouveaux accessoires pour notre nouveau clic-clac, les nuits de Marmoland. Un peu de bijouterie ne serait pas mal. Quelque chose de bien tape à l'œil et de mauvais goût. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Va, apporte-moi quelque chose. Es-tu absolument certaine d'être une femme? Bien sûr, j'en suis certaine. Ça existe, tu sais, les gens qui n'ont plus aucun doute sur leur identité sexuelle. Donc il lui faut un bijou, on a un bijou. On a une bague qui est coincée sur le doigt. Est-ce qu'on peut lui donner directement? Tu pourrais au moins commencer par l'ôter du doigt. Ok, donc c'est bien ça en tout cas, mais... faut... Ça ne m'aidera pas à enlever l'anneau. Eh oui, mais ta gueule. Comment on va faire? Un poids énorme, lourd et bien dangereux. Voyons si je peux vous interpréter le concerto de Rincevent en fracture du grade majeur, d'accord? Non, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas l'atteindre. Alors là, aucune idée.
Non, je ne peux pas l'atteindre. Notre parfaite maquilleuse. Je l'appellerais bien tête de linotte, mais ce serait une insulte pour les linottes. À propos de cette photo, sais-tu comment on peut trouver les elfes? Aucune idée. Pose la question aux elfes. Bon, écoute. Maintenant, je vais te reposer cette question très calmement. Et cette fois, je veux que tu regardes attentivement mes lèvres. Inutile de réagir comme ça. Pourquoi tu n'essaies pas de trouver une sorcière ou quelque chose dans le genre? Elles s'y connaissent en elfes. Ouais, ça j'en ai parlé, la sorcière, pour aller voir les elfes, mais après ils me virent. À propos de cette photo, ouais. Sais-tu comment... Bon, écoute, et cette... Inutile, pourquoi tu n'essaies... Elles s'y connaissent en elfes. Oui. Je ne pense pas qu'il soit d'humeur à faire la conversation. Pourquoi pas? Une meilleure carte vidéo me serait plus utile. Je risque de le casser. Non, bah visiblement ici, tant qu'on n'a pas de photo, on peut rien faire. Hein. Encore un plateau avec des effets spéciaux magnifiques. Apparemment, peint sans référence à quoi que ce soit. Ça alors. La magie de l'illusion. Je ne peux quand même pas entrer sur le plateau pour l'attraper. Hey, j'aperçois ces petits sacripants là-dedans. Oh, le petit culotté. Il m'a tiré la langue. Alors dis-moi, à quoi servent tout ça? C'est de la main d'œuvre, bon marché et consommable. Ils font tout le boulot des effets spéciaux. Ah, parfois, ils se font même sauter eux-mêmes. Je croyais qu'ils n'étaient utilisés que dans les appareils photo. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'importe quel diablotin peut faire marcher un appareil photo. Mais seuls les plus doués peuvent travailler sur fond bleu et sur fond mat. Cet appareil photo, là, comment je fais pour... Il me faut un truc qui ira dedans et qui en ressortira à le diablotin. Quoi? Ça a coupé, j'ai pas compris. Il me faut un truc qui ira dedans et qui en ressortira avec le diablotin. Ah. Un truc qui rentre dedans, qui... Oh là là, c'est compliqué. Avec de la colle. Ce n'est pas ce dont cette machine a besoin pour fonctionner. Ce n'est pas ce dont cette machine... Ce n'est pas ce dont... Ce n'est pas... Ce n'est pas ce... Ok, ok. S'énerve pas. Je devrais peut-être demander avant d'en prendre un. Oui, non, ça c'est bon, on s'en l'avait fait. Bon, à mon avis, c'est pareil. Hollywood, là, tant qu'on n'a pas trouvé les autres éléments, on est bloqué. On va aller autre part. On va aller par là-bas parce que j'en souviens plus que... Bientôt, tu vas me trouver en train de parler à des lapins invisibles.
Eh oh, là-haut, du poteau! Angus! Angus! Il y a quelqu'un au poteau! Quoi? Pose ça tout de suite! Tu vas attraper des maladies! Ah! Il y a une pyramide sur pattes qui avance! Écoute, je ne veux surtout pas te déranger. Je me demande juste ce que tu fais perché sur ce poteau. Tu risques d'être déséquilibré. Germite, ça fait fureur dans le coin, vois-tu? Tu ne peux pas être un sage si tu n'ermites pas. Angus, on a de la visite. Sors-nous un de tes mirages de cochon de lait pour le dîner. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais me sauver de terreur dans à peu près 3 minutes. Donc, cet ami dont tu parles... Qui? Angus? Angus, c'est pour toi! Si c'était Angus que tu voulais, fallait appuyer sur la 2e sonnerie. C'est clairement marqué sur la porte. Non, écoute, je ne suis pas là pour parler à... Ne fais pas attendre Angus. C'est quelqu'un de très occupé. S'il n'était pas là, je crois que je deviendrais fou. Bon, écoute, tu ne le déranges pas et je repasserai plus tard à un meilleur moment. Bonjour. Angus, Angus, non! Pousse cette poule en pierre! Réflexion faite, aucune importance. Mais qu'est-ce que tu fais planté là? Va trouver pourquoi! Et quand ça s'est fait virer carrément, quoi. Je ne peux pas lui parler et je ne le ramasserai pas. Alors, à mon avis, il va falloir que tu trouves autre chose. D'accord. Certificat de décès. J'ai été déclaré mort. Ne nous mêlons pas de ça, d'accord ? Cette femme est attachée à un pieu. Que veux-tu qu'elle fasse de ça? Ça n'aidera pas du tout. Quoi? Tu voudrais que je plante le fil de fer dedans? Eh oui. Comment qu'on peut faire? Ça ne va pas très bien avec les klaxons. Maintenant, il n'y a pas d'autre endroit où aller, quoi. Un bureau? Oui. Eh bien, je suis sûr que ça doit servir à quelqu'un. Je ferai bien un essai, mais je pense que le matériel chirurgical du coin n'est pas vraiment à la hauteur de la tâche. S'il m'en faut un, alors je dois parler au vendeur. S'il m'en faut un, alors... Ok.
Pourquoi les pyramides sont-elles si populaires? Eh bien, c'est juste une question de temps. De temps? Oui, le manque de temps. Tu comprends, les pyramides modifient le cours du temps. Elles le ralentissent ou parfois, elles l'accélèrent. Alors, les gens me demandent de construire une pyramide où le temps ralentisse jusqu'à s'arrêter en plein milieu. Comme cela, quand ils se sentent prêts de mourir, ils viennent se cacher dedans en espérant que dans un ou deux millénaires, on aura trouvé le moyen de les guérir. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ce moyen de les guérir? Non, bien sûr que non. Ils sont tous trop occupés à construire des pyramides. J'ai un grand projet ici pour une pyramide inversée. Une pour accélérer le temps. C'est génial! Je peux faire vieillir mon vin en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais crois-tu qu'on me donne des fonds et l'équipement pour la construire? Oh, que non! C'est toujours la même chanson. Dessine un labyrinthe pour protéger le roi des rois par-ci, ou bien élève un humain à la gloire du roi des rois par-là. T'appelles ça un métier, toi? Eh ben, pas moi. Et un labyrinthe, bah, là où on était au début, là. Mais, Ah là là, c'est compliqué. Quoi? Tu veux que je fasse une pyramide avec ça? Ah! Ok, bah, fil de fer et le plan, ça fait une pyramide, ok. Ok, ok. Bonne idée. Je pourrais essayer ça. Hey, il a l'air plus vieux. Non, c'est ça que je veux faire. Je pourrais essayer ça. Hey, il a l'air plus vieux. Attendez. Non, il vaut mieux que je retourne à la planche à dessin. Ok. Et si je mets... Bonne idée. Je pourrais essayer ça. Hey, il a l'air plus vieux. Mais de quoi, qu'est-ce qu'il va pas? Je comprends pas. Je crois avoir l'idée. Bon, on ira après au cas où. On va faire un peu le tour. Sinon, je crois avoir l'idée. Une idée. Engrais pour pétant? Eh oui, engrais pour pétant, oui. Engrais pour pétant? Du véritable engrais pour pétant. Je l'ai fait à moitié prix et pourtant je m'étranche la main. Ou bien des reliques. Des reliques, Fendi. Toutes neuves, mes reliques. Un demi-dinar seulement. Des reliques neuves? Comment peux-tu avoir des reliques neuves? Grâce à la magie du pouvoir de la pyramide, Fendi. Grâce aux effets de la distorsion temporelle, nous offrons maintenant tous les prestiges de l'artisanat antique. Sans l'inconvénient des vieilles saletés toutes cassées qui encombraient la maison. Bon, c'est quoi cette histoire de pouvoir de la pyramide? Ah, très estimé as-tu fait d'une drôle de robe. Les pyramides sont le sang magique d'une grande puissance. À l'intérieur, le temps peut y être ralenti. Le temps peut y être accéléré. Elles servent aussi à aiguiser les hamburgers et à conserver au frais les lames de rasoir. 4 foxio pour le prix d'une. Je te la fais pour rien, un vrai mirage. 1000 dinars et je me tranche la main. Non merci, j'essaie d'arrêter. Essayons peut-être de lui donner la maquette. Laissons-le tranquille. Mais non. Engrais pour pétant? Oui, engrais pour pétant, oui. Bonne idée, je pourrais essayer ça. Hey! Il a l'air plus vieux. C'est clairement pas ça, quoi. Engrais pour pétant? Oui. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Je sais pas. Si je lui donne la meuf. Cette femme est attachée à un pieu. Que veux-tu qu'elle fasse de ça?
Je sais pas moi. Le mec sur son tapis volant, on a fait. Lui. Oui. Lui, il nous faut le rocher. Et pour avoir le rocher, il faut accélérer le temps, donc il faut fabriquer la pyramide. C'est un bordel, ça me casse les couilles. On se casse de là. Engrais pop pétain ? Bien sûr. Bah allez, j'ai appuyé là. Ah. Alors, ce que j'avais dit, c'était quoi? Ah oui, avec la pyramide qu'on a trouvée. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on va faire ça. On va aller là-bas. Si c'est pas ça, je vois pas. Mais non, c'est pas ça. Mais non, non, non. Si c'est pas ça, je vois pas trop comment faire, mais... A mon avis, il faut recopier le labyrinthe sur le... sur la maquette. En gros, faut faire le boulot de l'architecte, quoi. Bonne idée, je pourrais essayer ça. Hey, il a l'air plus vieux. Mais de quoi qu'il a l'air plus vieux, c'est pas ça? Bonne idée, je vous... Hey. Une pyramide miniature, idéale pour conserver les momies miniatures. Les momies miniatures... C'est une connerie, ça. Ça te m'aide à enlever l'anneau. Oui. Et qu'est-ce qui peut t'aider à enlever l'anneau? Une pioche? Je crains fort que ça n'aille pas vraiment avec une pioche. Un couteau? Couper ça ne servira à rien. Ciseaux? Je crains de ne pouvoir couper ça. Ça ne servira à rien de... On t'énerve pas. On a déjà avancé un tout petit peu, quoi. On a trouvé deux trucs. Ouais, mais non, mais ça sert à rien en fait ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu à tout le monde. Enfin, parler un peu à tout le monde. On va essayer pas mal d'objets sur les gens. Ça va peut-être nous aider. Là, c'est quand même bizarre parce que je suis persuadé quand même que cette boule de cristal que la vieille folle possède, il va falloir la prendre. Je sais pas pourquoi. Rien que de la neige. Je ne dois pas savoir m'en servir. Il lui faut quelque chose de plus gluant. De plus gluant. Bonne idée. Je pourrais essayer ça. Hey!
Hey, le miel le rendrait tout. Ok. Il lui faut quelque chose de plus gluant. Ah mais non, mais oui, parce qu'il parle de l'ectoplasme là qu'il nous fallait. Ok, ouais, mais non, ça c'est bon. En fait, elle, on s'en fout en fait de elle. On va peut-être aller reparler à la vieille sorcière là. Peut-être qu'elle va nous aider du fait qu'on s'est fait jeter du château des elfes là. Ah, c'est quoi ça? Toi qui sais tellement de choses sur les elfes, tu ne saurais pas par hasard quel est l'animal de compagnie de la reine des elfes? Oh, ça doit être une licorne. C'est souvent le cas avec les elfes. Maintenant, pour un farfadet, c'est souvent un bourdon ou phasme, parfois une grenouille. Mais pour une authentique reine des elfes, la licorne est de vigueur. Bon, que peux-tu me dire sur les licornes? Tu t'y connais un peu? Oh oui, elles ont tendance à me suivre partout. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ce qu'il ne faut pas oublier sur les licornes, la corne, c'est leur fond de commerce, vois-tu? Si la corne est bonne, alors le reste suivra. Ok. Salut Nico, comment tu vas? Bon, visiblement c'est bien ça, il nous faut le costume donc de licorne pour passer au château. Et pour avoir le costume de licorne, il faut qu'on arrive à récupérer la bague coincée dans le doigt. Et on ne sait pas comment faire pour enlever la bague et c'est très casse-couille, mon dieu. Comment on pourrait faire quoi, c'est chaud. Lui, à mon avis, il doit y avoir un truc avec le rocher sous char. Qu'est-ce qu'ils disent? Saloperie! Ah, je leur ferai bouffer leur pierre ponce. Tu vas voir. Les miches. Je leur ai dit partout sur le. Espèce de. Des araignées! Des araignées! Enlevez-les! Millénaire de crevettes! Vous, écoutez-moi bien! Et vous, écoutez-les bien! Ok, donc là, s'il n'y a plus de points d'interrogation, à mon avis, ça ne sert à rien. Au revoir, pour l'instant! Vous auriez pas une petite pièce pour une petite millénaire? Bon sang, là j'ai oublié ce que je demandais. Ah si, peut-être que lui il voudra quelque chose. Alors qu'est-ce que tu dis Nico? Attends le zoom parce que je vois pas. Le doublage, et eh oui le doublage. Ce jeu a le meilleur doublage français au monde, avec les voix de Astérix pour le personnage principal, Bart Simpson pour une personne, Otto dans les Simpsons aussi, notamment une autre voix connue, enfin il y a beaucoup de voix connues dans ce jeu. Ne pourrais-tu pas te faire examiner pour cette toux? Ouais mon vieux, ouais. Un docteur l'a vu la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je sais pas, mon vieux. Ils attendent encore qu'ils refassent surface.